Le prince Harry est sous pression pour maintenir le lien royal avec sa famille pour l'attraction et l'attrait aux États-Unis, a déclaré un commentateur royal. Le prince Harry fait face à une immense pression pour rendre visite à la famille royale au Royaume-Uni afin de maintenir la marque Sussex à l'étranger. Le commentateur royal Richard Eden était d'accord avec l'évaluation de son collègue expert Kate Mansey selon laquelle le duc et la duchesse de Sussex auraient besoin de maintenir leur royal lien pour protéger leur attraction et leur attrait aux États-Unis. Le prince Harry et Meghan Markle seraient impatients de retourner au Royaume-Uni et des spéculations subsistent sur le couple qui organiserait le baptême de leur fille Lilibet en présence de la reine. Hôte de Palace Confidential, Joe Elvin, a déclaré, il est clair que la pression est sur Harry pour qu'il revienne au Royaume-Uni. Monsieur Eden a répondu, eh bien, je pense que la pression viendrait également de lui-même. Je veux dire, comme le dit Kate, ils doivent maintenir ce lien royal et c'est ce qui leur donne l'attrait et l'attrait en Amérique. Je suis sûr que Harry, et peut-être moins Meghan, mais ils veulent revenir en Grande-Bretagne et Jay mentionnait la semaine dernière le baptême, vous savez le baptême de Lilibet. Ils veulent un baptême royal pour elle et c'est le genre de chose qui maintient cette marque royale, mais quels sont les aspects pratiques, où resterait-il, quelle protection obtiendrait-il? Il a ajouté, c'est devenu tellement compliqué, n'est-ce pas? Un tel mal de tête à tout moment est la dernière chose que la reine souhaite, ce qui est censé être une année joyeuse, ce sont des maux de tête qui s'inquiètent pour ses invités difficiles. Point. Le prince Charles aurait tendu une branche d'olivier au duc et à la duchesse de Sussex, leur demandant de rester avec lui lors de leur visite au Royaume-Uni. Une source proche du palais a déclaré que le prince de Galles manquait de passer du temps avec ses petits-enfants.